Salut à tous, c'est le petit Gobi. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Daily Gobi numéro 1. Donc, on va connaître les premiers gagnants. Donc, je vais vous laisser avec la vidéo. Donc, j'ai trouvé deux gagnants. Oui, ce n'est pas un, mais deux gagnants. Donc, j'ai décidé de faire un gagnant qui a plus de 100 abonnés et un autre gagnant qui a moins de 100 abonnés. Donc, je vais commencer par celle qui a... Oui, c'est une fille, celle qui a plus de 100 abonnés et sa vidéo m'a convaincu. Il s'agit de SkyMix. Donc je vous mets le lien de sa chaîne juste au milieu de l'écran, là vous avez juste à cliquer, donc je vous conseille vivement d'aller jeter un œil. Et la vidéo pour laquelle avec laquelle elle a participé, c'est « Est-il bien d'avoir un tableau animé, court-métrage de Noël en HD ?» Donc voilà, je vous conseille d'aller voir cette vidéo et aussi ses autres vidéos, car c'est une super chaîne, je le dis, et je l'avais déjà commenté sur ses vidéos, j'adore sa chaîne. Donc voilà, elle a 178 abonnés à l'heure où je vous parle. Donc voilà, j'espère que vous allez voir sa chaîne et vous abonner. Le deuxième gagnant, donc le gagnant qui a moins de 100 abonnés, il s'agit de AB Ciné. Donc c'est une chaîne qui parle de cinéma, comme le nom de sa chaîne l'indique. Donc je vais le mettre ici, juste au milieu, sa chaîne avec le lien. Et il a concouru avec Parlons Peu, Parlons Cinéma, saison 1, épisode 1, donc que j'ai beaucoup aimé, qui est original et qui est dynamique. Enfin, voilà. Une dernière petite chose, donc j'ai remarqué qu'une semaine c'était trop court, donc je rallonge le temps entre chaque Daily Gobi de 2 ou 3 semaines, je verrai. Et donc voilà. Pour les prochains participants, c'est les mêmes règles que le Daily Gobi numéro 0, donc je vous renvoie à cette vidéo pour connaître les règles de participation et d'inscription. Donc voilà, sauf qu'il faut faire des vidéos de moins de 5 minutes, c'est plus clair et c'est mieux. Donc voilà, et donc bonne chance à tous et inscrivez-vous dans cette vidéo pour le Daily Gobi numéro 2, donc les résultats seront dans 2 ou 3 semaines. Je vous tiens au courant.